matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 1er février 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif et le plus fort et celui que je nourrirai le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé, célébré, faire le deuil. Célébrer. Et si vous pouviez célébrer la vie en vous et laisser aller ce qui n'est pas essentiel dans votre vie? Célébrer et faire le deuil mettent en lumière la beauté de vos besoins. Alors, Marshall Rosenberg, le fondateur de la méthode de la communication non violente, n'est-ce pas? Eh bien, il définit un besoin comme étant universel et essentiel. Vous pouvez le nourrir seul ou avec les autres. Les besoins principaux, eh bien, sont des besoins de connexion, sont des besoins de partage, de joie, de sécurité émotionnelle, des besoins de paix, des besoins d'équilibre, de liberté, de sens et de contribution à la vie. Eh bien, en célébrant un événement qui vous a donné le sourire ou en faisant le deuil d'une frustration, vous honorez la vie. Célébrez un événement. C'est magnifique, hein? Faire le deuil d'une personne, d'un événement, de quelque chose, d'une frustration, ça vous donne l'occasion d'honorer la vie. Alors aujourd'hui, on va dans l'action. Je vais vous demander de poser une main près de votre petit cœur. Et pensez à trois situations, actions ou événements récents que vous aimeriez célébrer. Puis, identifiez pour chaque célébration le ou les besoins que vous avez satisfait. Par exemple, je me suis promenée au parc cet après-midi avec mon père. J'ai comblé mes besoins de partage et de connexion à la nature. Puis, choisissez une frustration ou une irritation que vous avez ressentie récemment et jouez à découvrir le besoin non satisfait. Alors, je vous donne un exemple. Je fais le deuil de mon mal de dos actuel, par exemple. Mon besoin est d'être en paix. Voyez la différence? Je fais le deuil de mon mal de dos actuel. Mon besoin est d'être en paix. Qu'est-ce que ça veut dire célébrer et faire le deuil? C'est prendre soin de ses besoins. Aussi. Alors, comme mantra pour aujourd'hui, je prends soin de mes besoins. Je prends soin de mes besoins. Je prends soin de mes besoins. Alors, le deuil, ça peut être aussi le deuil d'une personne. Ça peut être le deuil d'un sentiment de frustration, d'une déception. Vous voyez, dans le deuil, ça ne veut pas dire la mort, que la mort, hein,
C'est vraiment faire un travail sur ce qui s'est passé, ce que nous ressentons, n'est-ce pas? Faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, d'un événement, d'un sentiment. Voilà, très beau message encore pour aujourd'hui. Je termine avec l'oracle des amoureux et mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Waouh! Regardez un petit peu quelle belle synchronicité ici. Faire le deuil. Comme ça résonne la synchronicité avec cette carte. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Oui, c'est la vérité, mais n'empêche que le manque physique, il y est. D'où la difficulté, n'est-ce pas? Waouh, très très beau message. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.